nous avons déjà développé énormément de choses qui concernent l'insertion professionnelle de nos étudiants vers les entreprises ou des demandes des entreprises vers nos programmes et vers nos étudiants. Donc une multiplication des contacts chaque année, des contacts assez institutionnels dans les conseils de perfectionnement, des contacts à échelle assez grande lors des forums et aussi une multiplication des contacts directement avec les entreprises pour des offres de stage, des offres d'emploi, des offres de contrats d'alternance. Mais surtout, nos étudiants viennent sur ces forums pour pouvoir, en fin de compte, discuter des opportunités de stage, de contrats d'alternance, d'emploi, puisque certains d'entre eux sont en licence pro ou sont en master 2 et vont être sur le marché de l'emploi là dans quelques mois. Donc c'est une occasion de rencontre. Ce sur quoi nous pourrions peut-être avoir un développement plus important, c'est la recherche. En fait, la création de chaires, par exemple une chaire dans la distribution, une chaire dans les fintechs, une chaire dans la nouvelle comptabilité que peuvent réaliser les entreprises. Ces chaires sont en fait les interfaces entre les chercheurs dans nos laboratoires, les enseignants-chercheurs dans ces laboratoires et le monde professionnel pour le développement de ce que vont être les produits du futur, les systèmes du futur, l'organisation du futur pour ces entreprises. C'est vraiment un point qui est important parce qu'on sait que ça existe déjà beaucoup dans les matières scientifiques, en physique, en chimie, et dans les matières de la gestion, c'est vraiment un domaine dans lequel nous devons accentuer nos interactions avec les entreprises.